T'es prêt, Mathieu? Ouais, une minute. Vous êtes sur Télé Associative InfoWeb. Bon, attends, faut que je réajuste la caméra. Encore? Ouais, pourquoi on n'a pas de caméra automatisée? Parce qu'on n'a pas de budget. Ouais, ben... Pas de budget, pas de caméra automatisée. Ah ouais, on le sait tous. Tout ce qu'il n'y a pas, ça vient par pair. Je vais m'installer, là. Mon père disait pas d'emploi, pas de financement. Ouais. Pas de bonnes notes à l'école, pas de cinéma. Attention. Pas de talent, Patrick Bruel. Ok, tu m'entends? Dis, y a eu des likes sur mon dernier bulletin? Non, y a pas eu de likes. Bon, tu vois, on n'a jamais de likes. Bon, arrête. On doit être ceux qui avons le moins de likes. Bon, arrête un peu. À Saint-Pierre-de-Rome, ils ont aucun like. Mais ce like-là s'écrit pas de la même façon. Y a un tréma. Tu me rassures pas du non, tout. Écoute, c'est peut-être juste qu'on n'est pas très bon, Mathieu. Mais pourtant, on est pratique. Oui, les mais... gens peuvent regarder nos bulletins comme mauvais leur semble. On dit comme bon leur semble. Mais tu viens de dire qu'on n'est pas bon, enfoiré. Bon, écoute, tu vas avoir une interview avec Vladimir Poutine sur Skype. Quoi, Poutine? Tout à fait, oui. Mais tu vois pourquoi il choisit notre chaîne si personne nous regarde? C'est justement parce que personne nous regarde qu'il choisit notre chaîne. Je vais interviewer Vladimir Poutine. Oui, mais tu commences par la nouvelle sur l'octogénaire disparu. Ah, ok. Saoul. Télé Associative Info sur le web. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour. Pas toi, j'ai dit tous ceux qui nous regardent. Oui, mais je suis le seul qui te regarde. En vous rappelant que non seulement vous pouvez nous regarder via le web, mais également via notre application pour iPhone et via notre application pour Android. Bon, ça va, enchaîne. Vous pouvez également ne pas nous regarder, et ce via n'importe quoi, comme un extracteur à jus, Mathieu. Ou la facette, ou une roue de chariot de supermarché. Commence. L'octogénaire Fabiano Tigarlet, porté disparu, manque toujours à l'appel. Non, on l'a retrouvé. Ah, on me dit que... On le croyait mort, mais ils l'ont retrouvé, oui, le lendemain, en pleine forme. Alors, il serait donc mort, en pleine forme, et retrouvé demain. Mais merde. Vladimir Poutine est avec nous sur Skype. Bonjour. Alors, monsieur Poutine, depuis votre réélection, entre guillemets... Essaie de le coincer. Croyez-vous que... Allez, essaie de le coincer. Que vous êtes capable de prendre les quatre énormes coussins sur votre fauteuil et essayer d'entrer dans le petit placard juste derrière. Non, Mathieu, ce que je veux dire par coincer, c'est d'essayer... Putain, t'arrête de me parler dans l'oreillette. Allô? Oui, excusez-moi, monsieur Poutine, entendons-nous. Hein? Les élections chez vous, ce ne sont pas de vraies élections. Pardon? Pour vous, le mot électoral signifie... Mathieu? Pure lutte électrique. Pardon? Attendez, je vérifie si on a des likes. L'informatique est omniprésent de nos jours, alors à quand la prostitution par ordinateur? Alors tu veux que je te dépose, Jean-Paul? Oh ben ce serait gentil si ça te dérange pas. Au contraire, tiens, monte. Eh, t'as vu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quel truc? Au coin de la rue, là, y a comme une cabane, là, c'est écrit Logisex. Oh, tu savais pas, c'est de la prostitution par ordinateur, ça, mon vieux. Non, tu te fous de ma gueule? Pas du tout, c'est une machine, tu mets ta carte de crédit et tu vois ce que je veux dire. Oh, j'ai complètement taré. Et voilà notre époque. Où est-ce qu'ils sont cons? Alors où tu veux que je te dépose? Oh ben finalement je peux marcher, tu sais. Et quoi, tu vas pas chez toi? Mais je dois faire une course, là, je dois m'arrêter. Ouais, je peux y aller avec toi et aucun problème. Non, c'est bien, écoute. Ouais, mais si t'as seulement une course à faire, y a pas. Non, j'ai pas seulement, j'ai plusieurs courses. Non, j'ai tout mon temps, mon vieux, on peut faire des courses. Ensemble, non, je dois arrêter chez mon médecin aussi pour me faire regarder les hémorroïdes. On peut les regarder ensemble, moi j'ai tout. Non. Alors c'est comme tu veux. Je te remercie tout de même. Alors je te dis à demain, ok? C'est ça. Ah, dis donc, t'es bien sûr? Non. Ok, ciao. Ciao. Bon, bienvenue à Logisex, veuillez insérer votre carte de crédit, la porte s'ouvrira automatiquement. D'accord. Oh, merde, v'là le curé qui s'en vient. Tu vas t'ouvrir, putain de porte, vite. Bon. J'espère qu'ils m'ont pas vu. Alors, mode d'emploi. En insérant votre carte de crédit, vous avez besoin d'une femme masculine avec les grosses fesses. C'est masculine, vous avez besoin d'une femme pleine de poils. C'est masculine, vous avez besoin d'une femme avec un orgasme. C'est masculine, vous avez besoin d'une femme avec deux couilles. Choix de partenaires, Linda, Babusha, Ingrid, Jennifer, Micheline, Paulette ou Albert. Monsieur Jean-Paul, c'est monsieur le curé! Et merde, oui! Essayez Babusha, elle est super! D'accord, merci! Bon, alors Babusha et choix de style, tendre, agité ou violent. Vaut mieux pas prendre de chance, je vais choisir violent. Entrez. 90 francs seront débités de votre carte. Qu'est-ce que... Ah, je comprends, j'avais oublié d'inscrire préliminaire. Bon, alors, préliminaire. Entrez. Alors, tu viens, chérie? 125 francs seront débités de votre carte. Merde, j'ai dû oublier quelque chose, là. Ah oui, l'ambiance, bien sûr. Son désiré, bon, disons cri de jouissance. Et texture idéale au toucher, bon, bah, les fesses. Entrez. Bon, je me suis trompé, j'ai écrit son désiré, les fesses. Quel connard 75 je suis. Francs seront débités de votre d'autre? Carte. Ouh, qu'est-ce que je vois ici? Harem. Un harem? Mais je n'hésite pas un instant. Entrez. Harem. Ben voyons. Harem, c'est le son d'une fille qui est enrhumée. Quelle déception. Ah tiens, ici il est écrit « Constituez vous-même le physique de votre partenaire ». Et très bien. Alors, black, taille moyenne, cheveux longs, corps athlétique. Mais Yannick Noah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette image vous convient? Non, on efface tout et on recommence. Alors, musique de fond, des violons, tiens. Et ambiance, cri de jouissance. Entrez. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai vraiment aucune inspiration. Bon, mais j'abandonne, tiens. Je prends ma carte et je fous le camp. Quoique, je peux tout de même pas sortir d'ici avec une érection, comment je vais... Ah, il y a une fonction ici. Annulation de l'érection. Appuyez sur arrêt et entrée. Je me pose des questions sur notre couple et j'aimerais qu'on en parle. Ah bah ça, au moins, ça fonctionne. Veuillez ainsi...
insérer votre carte. Bon, d'accord, la carte. Quel endroit faut-il soigner? Rectum. Veuillez prononcer clairement. Rectum. Votre réponse est inaudible. Rectum. Tiens, t'as vu Didier, un distributeur médical? Je me demande si ça fonctionne ce truc-là. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Rectum! Ces appareils reconnaîtront la voix, mais à condition de parler distinctement. Bon, faut pas que je me gourre, attends, virus, non, douleur musculaire, voilà. Quelle est la nature de votre virus? Voyons... Si vous avez dit oreillon, faites oui. Oh, la vache, bordel. Si vous avez dit la vache folle, faites oui. Bon, c'est fini, ça. Si vous avez dit syphilis, faites oui. On dirait qu'espèce ma gueule. Si vous avez dit grippe espagnole, faites quel oui. Quel enfer. Si vous avez dit cancer, faites oui. Oh, je me casse, c'est trop terrible. Si vous avez dit gastro-entérite, ça mène oui. À rien, ça. Si vous avez dit malaria, faites oui. De plus, il sera parfois difficile de communiquer avec les distributeurs, surtout avec un clavier, et notamment dans les cas d'urgence. Bienvenue, veuillez décrire vos symptômes. Chevillon de recevoir une bulle de Revolvalgue dans le cutle. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Dépoche-toi, espose de connaisse, je suis en train de pordre beaucoup de sanglots. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Puton de machine de mes doux. J'ai une déchirge de fésie dans le clu. Appale une ambudange immédiatement, berdel de morde. Et bien sûr, ce système ne sera pas à l'abri des pannes. Tournez-vous s'il vous plaît et penchez-vous légèrement. Et galère. Ce n'est qu'un petit moment dur à passer. Tu parles. On respire. Attention. Voilà, c'est terminé. Pas trop tôt. On respire. Hein? Attention. Voilà, c'est terminé. Moment dur à passer. Attention. Ça suffit. On respire. Attention. Oui. Pire. Attention. Voilà, c'est pire. Attention. Attention.